La fin de l'équipée sanglante de deux gangsters en Allemagne, la police a tiré au total. Leur prise d'otage aura fait 3 morts et 7 blessés. La hausse des prix en France en juillet, plus 0,3%, ce n'est pas très bon. Le ministre de l'économie montre du doigt les loyers. Ce sont eux les responsables de la hausse. Nouvelle-Calédonie, tout le monde se retrouve autour de la table de négociation ce soir. Le référendum aurait lieu au mois de novembre. Au Liban, élection présidentielle reportée, il n'y avait pas assez de députés présents. Déjà, de nouveaux troubles à Beyrouth. Bonsoir, avant de développer tous ces titres, un saut à la Nouvelle-Orléans. C'est là-bas que se tient, vous le savez, la convention républicaine. Les délégués ont officiellement choisi George Bush pour briguer la succession de Ronald Reagan à la présidence. Bush Quayle, c'est donc le ticket républicain qui affrontera les démocrates Dukakis et Bensen. Pour bien comprendre l'enjeu de cette convention, nous allons y consacrer une page spéciale dans ce journal avec notre envoyé spécial Jacques Abouchard. Au crible, la campagne de George Bush, le rôle de Ronald Reagan, le choix du sud des États-Unis. Tout cela dans la deuxième partie de ce journal. Mais tout de suite, à la Nouvelle-Orléans, au bord du Mississippi, nous retrouvons Jacques Abouchard. Jacques. Bonsoir et bienvenue à la Nouvelle-Orléans, par excellence la ville où les Français se sentent un peu chez eux aux États-Unis. La caméra vous a permis de découvrir le majestueux Mississippi qui a inspiré tant d'écrivains, de chanteurs de blues et de musiciens de jazz. Ici, on aime par-dessus tout la fête, la vie nocturne, et le carnaval de la ville est célèbre à travers tout le pays. Or, il se déroule un drôle de carnaval ici depuis 3 jours. Je veux parler bien sûr de la convention républicaine, mais nous aurons l'occasion d'y revenir tout à l'heure dans la deuxième partie de ce journal. Je vous présenterai également quelques personnages louisianais qui n'ont rien à voir avec tout le tapage médiatique de la Nouvelle-Orléans. A tout à l'heure donc. A tout de suite en effet Jacques. Et tout d'abord cette prise d'otage sanglante en Allemagne. Elle s'est terminée tout à l'heure sur une autoroute entre Cologne et Francfort. Les policiers sont intervenus et tout s'est terminé dans un bain de sang. Tout avait commencé mardi matin par le braquage d'une banque dans la Roure. Entre-temps, les gangsters avaient pris un autocar en otage. Récit Isabelle Bechler. Fin de l'équipée folle des deux braqueurs vers 14h aujourd'hui sur une autoroute près de Bonn. L'assaut de la police est sanglant, une otage est tuée, l'autre est très grièvement blessée. Les deux gangsters, une complice et deux femmes otages étaient à bord d'une voiture poursuivie par la police depuis la frontière hollandaise. Un policier s'est déjà tué dans la course poursuite. Les voitures de police se sont mises en travers de la route et ça a tiré dans tous les sens. Vous avez eu peur? C'est sûr, tout le monde s'est jeté par terre. Tout commence donc mardi, avant-hier, dans une banque de la Roure, à Gladbeck. Deux gangsters, originaires de la ville, l'un est en cavale depuis 2 ans, réussissent un hold-up, butin 1,5 million de francs. Les deux hommes, puissamment armés, exigent alors une voiture que la police va leur fournir, et ils s'enfuient en prenant déjà en otage 2 employés de la banque. Ils vont se perdre dans la nature toute une journée. Ils changent de voiture à plusieurs reprises sur la route de Brême. Là, ils relâchent les 2 employés de la banque, tirent des coups de feu sur un marché, semblent paniquer. Ils vont prendre un bus municipal en otage. À bord, une 30aine de passagers, quelques-uns arrivent à s'échapper. La détermination des gangsters est terrible. Ils menacent indifféremment jeunes et vieux. Plus tard, ils vont tuer un de leurs otages, quelques heures après avoir accordé une interview à la télévision allemande. C'est Rosner, le chef, qui parle, apparemment fatigué mais calme et d'un sang-froid étonnant. Son complice menace toujours les otages du bus. Maison de correction et toute la suite, j'ai déjà passé 14 ans en tôle et je n'ai plus rien à perdre. D'ailleurs, je suis sûr de m'en sortir, mais si ça tournait mal, je m'en fous. Je me flingue. La tragique épopée continue. 2h du matin sur un parking des Pays-Bas. L'angoisse toujours pour 25 otages. Secteur bouclé par la police. Les gangsters réclament de l'argent encore et une voiture. La police va céder. Libération des otages, sauf 2 femmes qu'ils emmènent. Jeudi, à l'aube, les braqueurs devenus meurtriers vont repartir vers le sud, vers le dénouement de leur affaire. 3 morts et 7 blessés, un bilan tragique bien sûr, mais surtout des images et donc une présence quasi constante de la télévision qui ont choqué le public allemand. La critique principale ce soir en RFA vise l'incompétence et le laxisme de la police allemande. En France, les policiers lyonnais seraient sur le point d'identifier le trio à la 205 GTI rouge. Les policiers agissent dans la plus grande discrétion.
Mais ils semblent progresser dans leur enquête. Les trois hommes, au cours de leur équipée sanglante depuis samedi dernier, ont commis un meurtre, un viol et plusieurs agressions dans la région de Lyon et de Grenoble. Et puis je l'apprends à l'instant, la mort du gendarme blessé par les évadés de la prison d'Auxerre. Le maréchal des logis-chefs, Michel Astoul, avait eu la carotide tranchée de plusieurs coups de couteau portés par Thierry Courtois et son complice Stéphane Bell lorsqu'il s'était évadé de la prison d'Auxerre. C'était le 9 août dernier. Et Stéphane Bell avait été tué lors de son arrestation. Le gendarme blessé est donc mort. Les loyers augmentent trop vite en France. C'est le ministre de l'économie, Pierre Bérégovoy, qui l'a dit en rendant public l'indice des prix. C'était l'indice INSEE du mois de juillet. Il indique une augmentation de 0,3%. Ce n'est pas un très bon indice, mais il traduit tout de même une augmentation un petit peu trop forte par rapport à nos partenaires commerciaux comme l'Allemagne. Principale cause de cet indice médiocre, ce sont donc les loyers. Ils ont augmenté plus vite que la moyenne des autres prix, c'est ce qu'affirme M. Bérégovoy. Explication, Claire Chazal. Bête noire de tous les ministres des Finances soucieux d'enrayer l'inflation, les loyers. Bloqués de 82 à 87 par la loi Quilliot, ils sont restés à peu près sages. Mais dès 86, le dérapage s'amorce. Depuis cette date, le coût des locations progresse deux fois plus vite que l'indice général des prix. Avec la libération des loyers, prévue par la loi Méhaignerie de décembre 87, les hausses atteignent même souvent 20% à Paris. Un emballement dénoncé aujourd'hui par la rue de Rivoli. Tu as observé que les loyers avaient augmenté depuis un an de plus de 6,5%. Autrement dit, ils augmentent plus vite que l'inflation. Alors il faut donc que les propriétaires soient sérieux. Est-ce qu'on pourrait revenir à un blocage des loyers? Non, mais il faut que les dispositions de la loi Méhaignerie soient appliquées à l'occasion du renouvellement des baux. Cela dit, selon l'INSEE, le relèvement trimestriel des loyers de juillet marquerait plutôt une petite décélération. Les propriétaires, en tout cas, se veulent rassurants. La rentabilité de l'immobilier doit être préservée et il faut peut-être tenir compte d'une disparité qui peut exister entre le marché parisien et le reste de l'Hexagone. En ce qui concerne le marché de province, laissons jouer la loi du marché pleinement et je crois que les loyers auront tendance à se stabiliser d'eux-mêmes. Pour le moment pourtant, la loi Méhaignerie semble poser de gros problèmes d'application. Les litiges entre locataires et propriétaires, libres de fixer le loyer au moment du renouvellement du bail, se terminent en effet trop souvent devant des tribunaux de plus en plus engorgés. La critique des communistes, Georges Marchais faisait le point cet après-midi sur les préparatifs de la fête de l'UMA, ce sera le 10 et 11 septembre prochain. Selon M. Marchais, le bilan de Michel Rocard depuis un mois et demi est négatif et ce bilan s'inscrit dans la continuité du gouvernement précédent. Ce sont les termes du secrétaire général du Parti communiste. La Nouvelle-Calédonie, les discussions ont continué toute la journée à Paris au ministère des Dom-Tom. Le ministre a reçu successivement les délégations du RPCR puis du FLNKS. Alors tout le monde ce soir se retrouve ensemble au ministère des Dom-Tom. Rachid Arab, vous êtes sur place au ministère, alors est-ce qu'on a progressé un petit peu aujourd'hui dans les négociations? Oui Hervé, ça semble avancer, mais pour l'instant il convient de rester prudent. Vous l'avez dit, Louis Le Passec a reçu dans la journée les deux délégations, celle du FNKS et du RPCR. Il les a reçues séparément. Maintenant nous nous préparons à une longue nuit de discussion. Il y a quelques minutes, les représentants du RPCR avec Dick Ukewe en tête sont arrivés. Vous allez les voir sur ces images. Dick Ukewe qui menait donc la délégation du RPCR qui sont arrivées au ministère des Dom-Tom pour cette séance plénière. Nous attendons encore pour l'instant l'arrivée de Jean-Marie Djibaou et de la délégation du FLNKS. Ce qu'on peut dire également, c'est que même si rien ne filtre des conversations, nous savons que chacun des deux chefs de délégation, Dick Ukewe et Jean-Marie Djibaou, a donc proposé des amendements au projet de loi qui leur a été présenté hier par Louis Le Passec. Alors, de quoi s'agit-il précisément, Hervé? Pour prendre un exemple de celui qu'on appelle les mesures d'accompagnement économique et social, le ministre des Dom-Tom, après avoir entendu les deux délégations, a fait le tour cet après-midi de ses collègues du gouvernement, un tour téléphonique, pour essayer de savoir quel crédit il était possible de débloquer. Ce soir, Louis Le Passec, dès que toutes les délégations seront arrivées, fera donc le point avec M. Djibaou et M. Ukewe. Cela concerne les mesures concrètes, pratiques, pour ce qui est par exemple des mesures telles que l'amnistie, vous le savez, est réclamée fortement par le FLNKS. Les discussions vont certainement continuer ce soir avec apparemment une avancée possible là aussi, Hervé. Hier, Rachid, M. Le Passec, dans ce journal d'ailleurs, disait qu'il espérait aboutir avant la fin de la semaine. Vous pensez que c'est toujours possible? Alors, en tout cas, il y a un certain optimisme de mise ici au ministère des Dom-Tom. On sait donc qu'on va discuter toute la nuit. Cela dit, on se prépare à discuter encore demain et peut-être demain soir. Donc, on pense encore pouvoir en terminer d'ici samedi. On pense encore que les deux délégations pourraient repartir en Nouvelle-Calédonie dimanche.
Merci Rachid. Les élections américaines tout de suite. Voyage express à la Nouvelle-Orléans. La nuit dernière, le vice-président américain George Bush a été désigné candidat du Parti républicain. C'est lui donc qui représentera ce parti à l'élection présidentielle de novembre. George Bush, qui a 64 ans, souffre toujours d'une réputation d'éternel second. Il joue maintenant sa chance, mais son portrait reste toujours un peu flou. Nous retrouvons Jacques Abouchard à la Nouvelle-Orléans. Where is George? Où est George? C'est le cri de guerre des adversaires démocrates de Bush. Mais écoutez plutôt ce qu'ils disent. Pendant les 8 ans de sa vice-présidence, George Bush a passé davantage de temps sur les cours de tennis que dans son bureau de travail. Vrai? Faux? Mais qui est vraiment George Bush? Ramasser une veste, autrement dit subir une défaite, n'est pas dans le style de George Bush. Sa brillante carrière en témoigne. Et tout au long de la campagne, sous divers accoutrements, il s'est efforcé de convaincre ses compatriotes qu'il était un athlète complet, digne d'occuper le bureau ovale présidentiel. Il a également tenté de gommer une image qui le dessert dans le public, celle d'un fils à papa peu sensible aux soucis des plus défavorisés. George Bush, c'est le monsieur 20 sur 20 de la politique américaine, avec une belle carte de visite et des états de service en forme d'image d'épinal. Pilote de l'US Air Force, il a effectué 58 missions pendant la guerre contre le Japon. Il fut aussi bon joueur de baseball à l'université de Yale que brillant étudiant. Après un court crochet par l'industrie pétrolière au Texas, il est entré en politique, soutenu par sa jeune épouse Barbara. Résultat mitigé, un succès au Congrès, un échec au Sénat de Washington. Il enchaîne pourtant les postes en vue. Ambassadeur aux Nations Unies à New York, président du Parti républicain, c'est le retour à la politique active. Représentant des États-Unis à Pékin, une nouvelle et brève aventure diplomatique. Puis directeur de la CIA, l'agence centrale américaine de renseignement. En 1980, le candidat Reagan choisit comme colistier George Bush, son concurrent le plus sérieux, qui se cantonnera pendant 8 ans dans un rôle effacé, malgré ses nombreux contacts au plus haut niveau. L'homme des Républicains pour 1988 cherche à rassurer dans son rôle de chef de famille, car l'Amérique conservatrice le suspecte du crime de libéralisme. Or, c'est elle qui a fait la fortune de Reagan, c'est elle qui scellera le destin présidentiel de George Bush. L'Amérique conservatrice en aurait bien repris pour 4 ans à la Maison-Blanche avec Ronald Reagan. Au summum de sa popularité, Ronald a quitté en fanfare le devant de la scène pour laisser la place à George. Mais a-t-il vraiment contribué à placer son second sur la bonne trajectoire pour gagner? I'm going to work as hard as I can to make Vice President George Bush the next President of the United States. Ronald Reagan s'y était engagé publiquement. Je travaillerai de toutes mes forces pour que George Bush soit le prochain président des États-Unis. Dans un premier temps, son appui a semblé bien timide. Le scandale des ventes d'armes à l'Iran n'a rien arrangé avec le renvoi du colonel North et de l'amiral Poindexter, deux conseillers de la Maison-Blanche. Et puis, il y a eu les accusations de corruption lancées contre Edwin Meese, le ministre de la Justice, et les magouilles de l'administration Reagan avec le général panaméen Noriega, considéré comme un gros bonnet de la drogue. On en venait à se demander si le président souhaitait vraiment la victoire de son second. Il a fini par sortir de sa réserve à la veille de son voyage à Moscou. Malgré des résultats modestes, le sommet a été considéré comme un succès dont George Bush a su exploiter les retombées. En acceptant la démission de son ami Edwin Meese, Ronald Reagan a donné un nouveau coup de pouce au vice-président candidat. Même démarche avec l'octroi en urgence de 4 milliards de dollars d'indemnités aux fermiers victimes de la sécheresse. De plus, le président a fait plusieurs apparitions publiques aux côtés de son second. Il a attaqué durement Dukakis, allant jusqu'à le traiter d'invalide avant de devoir présenter des excuses. Enfin, devant une convention républicaine chauffée à blanc, Ronald Reagan a présenté George Bush comme le rempart de la démocratie américaine face à ses adversaires présentés comme de dangereux trublions. La pauvreté et le chômage sont deux thèmes clés de la campagne électorale. En Louisiane, les deux principales industries, la pêche et le pétrole, sont en crise et les conséquences sont durement ressenties dans les bayous.
les canaux de l'embouchure du Mississippi. C'est jour de fête sur le bayou Lafourche. On a décoré les bateaux et Monseigneur l'évêque est venu donner sa bénédiction pour l'ouverture de la nouvelle campagne de pêche. Dans ce coin de Louisiane, à 2 heures de la Nouvelle-Orléans, on chalute la crevette, on trôle, selon l'expression locale. Parce qu'il est indien, Joe Bilio s'est abstenu de participer à la cérémonie religieuse. Dans la camionnette, il a chargé enfants et petits-enfants qui veulent le voir embarquer. Joe Bilio est l'un des 100 000 pêcheurs louisianais qui sillonnent les bayous, les canaux à l'embouchure du Mississippi. Il ne reverra les siens qu'en de rares occasions pendant les 7 mois de la saison de pêche. Joe Bilio fait figure de privilégié car peu d'Indiens sont propriétaires de leur chalutier. Pourtant, ils peinent à remplir les cales du Captain Ed à cause de la concurrence acharnée et de la surexploitation des bancs de crevettes. En fait, il vit au SMIG américain, environ 5000 francs par mois, et il se range dans la catégorie des pauvres. Bien pauvre, bien pauvre. Il faut un travail aujourd'hui pour manger demain, les autres. Ça, c'est comme ça qu'on a été élevé. C'est comme ça que mon père et mon grand-père et mon grand-grand-père l'ont fait. Et c'est comme ça que nous autres, on a appris à le faire aujourd'hui. Bien triste. Bien triste. Mais quand même, vous ne voulez pas abandonner le métier de pêcheur? C'est la seule chose qu'on connaît. On n'a pas d'école, on n'a pas été instruit. On fait ça que notre père et notre grand-père nous ont montré. Et c'est tout ce que moi je peux montrer à mes enfants. Je peux pas les montrer de quoi moi je connais pas. Je peux les montrer le petit peu que je connais dans le métier. Trois des fils de Joe Bilio se sont résignés à devenir pêcheurs, faute d'études suffisamment poussées, à la grande déception de leur père. À 68 ans, Lou Lompitre, un authentique Cajun, a mis sac à terre. Après 40 ans de pêche, il soigne ses parcs à huîtres. Je dépasse la main. Et des fois, l'eau est claire, tu peux les voir. Mais, tu vois, tout ça, c'était tout plein d'huîtres. Et a passé l'ouragan, là, t'as vu, ça crevait. Là, c'est chez vous, là. Regarde, pour moi, ça, ici. Ça, c'est mes huîtres. Passionné de politique, Lou Lompitre ne veut pas entendre parler de Bush à la Maison-Blanche. Ils ne sont pas un président. Il ressemble pas à un président. Est-ce qu'il te ressemble à un président? Bush. Il ressemble pas à un président. Loulon ne déborde pas non plus de sympathie pour le démocrate Dukakis, l'autre bougre, comme il dit. Mais en concluant avec philosophie, on est en Amérique et il faut bien manger ce qu'il y a dans l'assiette. 12 000 et peut-être 15 000 journalistes, plusieurs centaines de stations de télévision, c'est vraiment la ruée sauvage de la presse sur la Louisiane pour couvrir l'événement. Nous sommes allés à la rencontre d'une journaliste locale. Elle vit, elle travaille à 100 km de la Nouvelle-Orléans. En réalité, elle est à des années-lumière de la Convention républicaine. Elle avait débarqué en Louisiane il y a 12 ans pour quelques jours de vacances avec 2 valises. Aujourd'hui, Denise Dautin est une célébrité locale. Bonjour, je suis Denise Dautin et je vous reviens encore en ce lundi 15e jour du mois d'août. On connaît que la Convention républicaine nationale commence. Succès, on se revoit l'année prochaine. Merci. Denise Dautin anime quotidiennement un programme de 30 minutes en français cajun, le seul de son genre, suivi par 40 000 spectateurs. Oui. Avant de gagner durement ses galons de vedette, elle a été femme de chambre et lavait la vaisselle dans un restaurant. Reporter en mission parfois périlleuse, Denise Dautin est aussi éditorialiste, présentatrice des nouvelles et rien de ce qui touche à la politique ne la laisse indifférente. Comment vote-t-on dans cette région de Louisiane parmi les Cajuns francophones? Les Cajuns francophones sont démocrates, bien démocrates. Alors, ils n'aiment pas George Bush? Non, parce que c'est affilié à Reagan
Et on a voté Reagan, bien sûr, 4 ans passés, mais pas ici, dans la paroisse de la Fourche. Et ces démocrates, et on clame que les Reagan et Bush, ça va plus le monde riche. Ici, supposé, c'est du monde pauvre. En toute modestie, déclare Denise, je me montre peu en public, car la célébrité, voyez-vous, est parfois dure à porter. Merci Jacques Abouchard, merci, excusez-moi de vous avoir coupé la parole. Merci pour cette page spéciale américaine. Dans l'actualité de ce jeudi encore, le Pakistan. Après la mort du président Zia, l'état d'urgence a été déclaré dans ce pays. Les autorités craignent des troubles après l'accident d'avion qui a coûté la vie donc au président Zia. L'explosion de l'avion serait bien due à un sabotage, c'est ce qu'a affirmé le ministère de la Défense pakistanais. L'avion s'est écrasé 10 minutes après son décollage. À bord, il y avait 29 personnes, dont l'ambassadeur américain. Au Liban, l'élection présidentielle a été reportée. Ce sont les députés qui élisent là-bas le président. Il n'y avait que 38 députés présents. Le quorum n'a donc pas été atteint. Il semble aussi que la candidature du pro-syrien Frangier ait provoqué une réaction des autres formations chrétiennes. Jacques Merlino. Ce qui était prévu s'est produit. Le Parlement libanais ce matin n'a pu siéger. Le très important dispositif de sécurité mis en place n'a rien changé. Un député sur deux a préféré rester chez lui, de gré ou de force, plutôt que d'aller voter. Selon la constitution libanaise, pour être élu président de la République, il faut recueillir les 2/3 des votes au Parlement, soit un minimum de 53 voix. Or, ce matin, il n'y avait que 38 députés. La raison de cet échec est simple. Le candidat le plus sérieux, M. Soleiman Frangier, est aux yeux de tous le candidat des Syriens. Il a contre lui une part importante des chrétiens de Beyrouth et surtout l'opposition farouche des forces libanaises, les principales milices chrétiennes. Sans compter que les deux vrais électeurs sont en réalité Damas et Washington, et que les Américains verraient d'un très mauvais œil un pro-syrien devenir président du Liban. La situation est donc bloquée, et tout laisse croire qu'il n'y a pas de solution à court terme, la date limite pour cette élection étant fixée au 23 septembre. En Afrique du Sud, Nelson Mandela est malade. Le leader noir emprisonné aurait la tuberculose. Le président Botha a fait preuve de cynisme aujourd'hui. Il a renouvelé son offre de libérer Mandela à condition que celui-ci coopère en condamnant le recours à la violence. Mandela, bien sûr, s'y est toujours refusé. Philippe Lefebvre, commentaire. La légende n'a même plus ce visage d'archive. Nelson Mandela l'a perdu en 1962 quand il est devenu le matricule 466-64. Et le prisonnier est devenu très vieux, 70 ans. Son image, ses écrits et ses paroles sont interdits au public sud-africain depuis sa condamnation pour complot. Le mythe Mandela aurait la tuberculose. L'homme, en tout cas, a été opéré ici le week-end dernier. Quelle que soit la gravité de l'affection pulmonaire qui le ronge, son hospitalisation inquiète son entourage et rend malade le pouvoir blanc de Pretoria. Ne voit-on pas le président Botha, devant son parti, souhaiter un prompt rétablissement à celui qui fait figure de terroriste? Il n'y a même pas de cynisme dans cette amabilité à l'endroit d'un hors-la-loi. Il est vrai que la mort en prison du plus célèbre prisonnier d'Afrique en ferait un martyr de la cause noire et de l'apartheid. La presse sud-africaine, les modérés du pouvoir ne s'y trompent pas, qui réclament une libération rapide. Peter Botha y met une nouvelle fois comme exigence un renoncement à la violence. L'indomptable Mandela a toujours dit non pour ces millions de Noirs qui ont fait de lui un héros sans visage et qui sont, eux, malades de l'apartheid. Toujours une grande tension en Birmanie. Les dirigeants du pays se préparent à choisir un nouveau chef de l'État. Des centaines de milliers de personnes ont manifesté dans les grandes villes birmanes. Et puis des massacres au cœur de l'Afrique, au Burundi précisément. Des affrontements entre des ethnies rivales auraient fait de très nombreuses victimes dans ce pays qui s'était déjà déchiré il y a une vingtaine d'années. À l'époque, les massacres avaient fait plusieurs dizaines de milliers de morts. Le reste de l'actualité. Tout de suite, Nicolas Jacobs. Anomalie des rails, avaient noté les responsables de la gare de Bogolovoï. Mais ils oublient de prévenir le conducteur du Moscou-Leningrad. Bilan, 24 morts, 106 blessés, dont 23 enfants. Le conducteur n'a pas vu les panneaux de limitation de vitesse à 60 km/h posés la veille. À 150 km/h, le train a déraillé, puis a pris feu.
Barrage de bus à Stettin, 1000 employés en grève. Bateau à quai, 2000 dockers les bras croisés. Tout comme les mineurs de Haute-Silésie, ils réclament des salaires indexés sur les prix et surtout la reconnaissance du syndicat Solidarité. L'Eschvaleza déclare aujourd'hui, la grève est désormais la seule méthode efficace. Alors que les manifestations se poursuivent dans les territoires occupés, les autorités israéliennes décident d'interdire les comités populaires palestiniens. Véritable relais de la direction clandestine du soulèvement, ces comités organisent en particulier les manifestations et leur interdiction risque d'être interprétée par les Palestiniens comme une provocation. Apprendre à conduire dès l'âge de 16 ans, ce sera possible en septembre dans toute la France. D'abord 20 heures de formation en auto-école, puis conduite accompagnée d'un adulte jusqu'à l'examen du permis toujours à 18 ans. Les jeunes formés par cette technique auraient 6 à 7 fois moins d'accidents que les autres. Football, les sélectionnés pour France-Tchécoslovaquie. C'est un match amical qui aura lieu mercredi prochain, mais ce sera tout de même un test avant les qualifications de la Coupe du Monde 90. Les qualifications qui commencent dès septembre. Alors pour ce France-Tchécoslovaquie, donc pas de grand changement pour les gardiens et les défenseurs. En revanche, nouveauté pour le milieu de terrain avec deux premières sélections, Franck Sauzet et Jackie Paillard, Marseille et Toulouse respectivement. Puis en attaque, retour de Daniel Zvereb et retour aussi de Stéphane Paille. Les vacances au bord de la mer, beaucoup d'enfants en sont privés. Il faut savoir que près d'une famille sur deux ne part pas l'été. D'où une grande opération du Secours Populaire qui a emmené 10 000 enfants à Malo-les-Bains, près de Dunkerque. 8 trains spéciaux avaient été mobilisés pour cette opération. Reportage Pascal Deschamps, Jean-François Bernigaud. Une gare, un train qui démarre et c'est déjà un peu les vacances. 6 ans que Nelly et ses sœurs n'avaient pas fait un si grand voyage. 300 km pour aller voir la mer, c'est un événement quand on ne part presque jamais. Ça fait longtemps que tu n'es pas allée à la mer ? Oui. Qu'est-ce que tu as emporté avec toi ? Mon maillot de bain, ma serviette et mon pique-nique. Il est où ton maillot ? Sur moi, là. T'as pas peur que l'eau soit trop froide ? Non. Nelly et sa famille n'ont quitté leur petite maison de la banlieue parisienne que deux fois en 9 ans et encore pour passer l'été chez des cousins. Cette année encore, pour le père, chauffeur routier en pré-retraite, et la mère, modeste employée, les comptes ont été vite faits. On verra ça l'année prochaine, mais encore. Et cette année, c'était pas possible. Pas possible. On n'aime pas demander à droite et à gauche comme ça, c'est pas vexé, hein. Oui. Les organisateurs ont finalement réussi à convaincre les parents de 10 000 enfants, dont 7 000 pour la seule région parisienne. Tous oubliés des vacances, enfants de chômeurs ou de familles frappées par la pauvreté. 10 000 enfants du jamais vu sur la plage de Malo-les-Bains, certains découvraient la mer. Je l'ai vu, j'ai couru et puis j'ai été plongé là-bas. C'est pas trop difficile de nager dans la mer ? Non. Pour cette journée de la solidarité, cette journée pas comme les autres, il aura tout de même fallu trouver près de 200 francs par enfant. Il y avait un tiercé quarté aujourd'hui, c'était à Enghien. Alors voici les résultats, 11, 13, 8 pour le tiercé, 11, 13, 8 et 10 pour le quarté. Vous pouvez lire comme moi les résultats sur votre écran. Le dernier journal, ce sera donc la dernière édition, le dernier rendez-vous avec l'information pour ce soir, ce sera tard, un petit peu après minuit. Philippe Lefebvre, tout de suite, vous avez rendez-vous avec mon camarade Laurent Cabrol pour une météo. Vous allez voir, Laurent est un peu morose. Bonne soirée sur Antenne 2 à demain soir.